Mais pas tout de suite. Oh, le travelling de malade! Alors, t'es content de ta journée? Ouais, très! C'est la première fois? Oh oui! C'est pas celui de jouer? Mais si, ça... Mais non, il est là, je vais pas lancer gueule! Bon, c'est vraiment trop beau, je vous ai épargné les préliminaires, toutes les explications du sport. C'est vachement intéressant, mais c'était un peu long. Et là, on est en plein championship en famille, avec la famille à Michel. C'est bientôt mon tour, je suis pas dans les meilleurs hein, encore. Les petits s'en sortent vachement bien. On a même un espèce de fan club de gens qui nous regardent par les fenêtres, c'est vraiment trop cool. Oh, pas mal! Bravo! Pour la position. Attends, regarde, ça tourne. C'est la meilleure pour l'instant. Elle s'entraîne entre les balles. Vite Michel! Vite Michel! Franchement, c'est hyper crevant. En plus, à chaque pas, on risque de tomber. Mais ça fait penser à une espèce de pétanque. En fait, c'est une espèce de pétanque, mais tu lances pas la boue. Par contre, alors, c'est qu'il fait beaucoup plus froid qu'à la pétanque. T'as pris ta leçon, t'as pris ta leçon. Alors une bleue. Il y a que des bleus là dans ces cercles. La meilleure c'est quand même la petite. La petite souligne. La différence avec nous, c'est que la petite Souline, elle passe son temps à s'entraîner à chaque fois entre chaque tir. Mais moi, non, moi, ça, non, je suis pas comme ça, moi. Moi, je balaye pas. Moi, je file. Pas besoin de balayer, là, c'est trop vite. Une bleue, du bleu partout. On est vraiment les meilleurs! Allez, Souline! Oh, il est incroyable celui-là, il est encore meilleur que les autres. Wow. Une petite vue d'ensemble. Oh! Non, alors là, bon, pour l'instant, on les éclate totalement, c'est indiscutable. C'est hyper dur de marcher en plus. Trop fort, trop fort!
Au revoir. Ouais, merci. Ah non. Bon, finalement, le plus cool dans ce sport, le plus intéressant, c'est le skill qu'on arrive à développer après en patinage artistique avec des baskets glissantes. Non, non. Oh, mais attends, nous, on en avait encore une autre là. Elle est où? Oh, les mauvais perdants, c'est pas possible. Ok, bon, on dit qu'on est ex-aequo, non? Non, non. Non, non. Franchement, on est ex-aequo. Regarde le jeu qui va nous permettre de nous départager. On a le point. Et ça, c'est un calibre de précision. Non, non. Voilà, je mets un mètre presque de différence. 3 cm de différence. Waouh. Bon, bravo. Michel, il y a des mecs qui sont venus en tenue traditionnelle. Ah oui, c'est hyper bien. Non, toi, t'avais pas ton costume de poulet. Seul dans le compartiment restaurant, ça c'est vraiment...